salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission de concours de chant qui cartonne, The Voice. L'émission est animée par Nikos Aliagas. Secondé par Karine Ferry, souvent en coulisses. Je suis actuellement dans la Red Room, dans la V-Room, en compagnie de Jojoba qui sort de scène. Alors, comment vous sentez après ce tcha-tcha-tcha endiablé? Non. Visiblement encore un peu ému de sa prestation. Non, Karine, on n'est pas sur d'elle. Il a mis le feu sur le plateau de Dance the Voice. À vous, Camille Comblal-Yagas. Nico s'est très impliqué dans le show, exprimant beaucoup d'empathie envers les candidats. Merci pour ce cadeau. C'est un cadeau de la vie que vous faites en chantant. La chanson, c'est un moment de vérité. Parce que les chansons ne trichent pas. Merci d'être vous. Vous êtes de jolies mains. Je vous prends la photo. Et leurs proches. Allez. Elles sont jolies, vos mains. Je peux prendre une photo? On ne peut pas tricher avec la photo. On va faire une en argentique. On va faire un selfie. Merci d'être vous. Du coup, il ne lui reste plus trop d'empathie et de temps pour sa co-animatrice Karine Ferry. C'est le moment. Oh. C'est avant tout un moment de vérité. C'est le moment du vote du public. À ce stade de la compétition, le suspense est à son comble. Exactement. Karine, attendez, n'hésitez pas à tweeter. Tout le monde est tendu, on arrive en finale. Dans The Voice. The Voice. La tension est palpable sur le plateau. Comme son nom l'indique, The Voice est un concours de chant où seule la voix compte. Bon, vous me direz, comme tous les concours de chant. Non, là, c'est important parce que ce sont des auditions à l'aveugle. On ne juge pas le physique. Hashtag moche, bienvenue. Des candidats chantent devant un jury de dos, face à un public qui, lui, est face au jury de dos par rapport au fauteuil qui est de face. Enfin, c'est simple. La mineure. Allez, les coachs, c'est le moment. La mineure, j'avais dit. Ah ben ça chante. Après avoir buzzé les candidats, les coachs ont chacun leur manière de les séduire pour qu'ils rejoignent leur équipe. Je déteste ton physique, mais quand même, t'as une belle voix. Tu envoies du bois, tu envoies de la chiure, tu envoies du copeau. Il y a quelque chose dans ta voix qui est vraiment comme une shawarma, comme on dit dans mon pays. Vraiment, je ne vais pas oublier de vous. J'aime bien ta manière d'interpréter, il y a comme une écorchure. Mais j'ai envie de griffure. J'ai envie de souillure. J'ai envie de griffouille. En avant de guingamp. Vous chantez, quoi. Pourquoi je rigole? Tu peux venir dans mon équipe. On rigole bien. Je sais pourquoi je fais ça. Lors des répétitions, chaque candidat reçoit des conseils de son coach. Oh, oh, oh. Il faudrait que tu chantes moins fort. Oh, oh, oh. Bon, alors, il faudrait que tu chantes moins près. Ok, il faudrait que tu chantes chez Florent. C'est The Voice, hein, quand même. Oui, bon, on avait dit qu'on jugeait pas le physique. Du moins, pas avant le vote du public. Mais bon, c'est comme ça, hein, les concours à la télé, seules les voix du public comptent. Enfin, c'était ça, The Voice. Non, pas de photo, Nikos, non. Je déteste les schtroumpfs. J'ai chatané la beau bleu. Regarde, ça chatouille. Zen, soyons zen. On dirait un méchant, non? Un maître du monde. Alors, comme ça, vous êtes venu dans ma propriété. Heureusement que... Oui, mon chat. Comme ça, il est pas bon, mon café. Je suis venu tout seul. Je vais repartir à plusieurs, coupé en morceaux. Oui, mon chat. Plus le méchant, il est méchant, plus l'accent, il est prononcé. Soit c'est russe. Soit c'est mexicain. Soit c'est arabe. Bon, y'a jamais d'accent belge. Alors que les plus méchants, ce sont les belges. Y'a jamais de québécois qui sont méchants, là. Tu vas le payer cher. Je propose que l'on tourne.